Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal et pas n'importe laquelle puisque je change de carnet, j'ai fini mon carnet Muguet. Voilà, il a été bien utile, il est complètement rempli avec des pages plus ou moins jolies, hein, des très très belles que vous avez vues en vidéo et puis celles du quotidien, celles qui sont pratiques et qui sont donc en généralement quand même moins esthétiques, on va pas se mentir. Je switch du coup et je passe sur mon nouveau carnet Espresso qui fait partie de la collection Coffee Time. Donc il y a latte qui est un crème, hein, couleur latte hein, tout simplement. Un mocha qui est un joli couleur camel et espresso qui est un noir. Les trois carnets ont chacun deux marque-pages de couleurs différentes, comme ça c'est plus facile pour s'y retrouver. Toujours le porte-stylo, toujours l'ouverture à plat, toujours les pages pointillées blanches avec un pointillé gris clair, hein. Comme ça c'est pratique parce qu'on les voit, mais en même temps ils s'effacent, ils se font oublier, donc ça permet aussi d'avoir des jolies mises en page et cette petite pochette à la fin. Donc pour ce switch de carnet, la première chose que je vais commencer par faire, c'est tout simplement indiquer à qui ce carnet appartient et comment est-ce qu'on peut me contacter si jamais à un moment je l'égare. C'est quand même hyper important, enfin moi personnellement, vu le temps que je passe avec mes carnets et puis aussi l'information en fait, le contenu qui est à l'intérieur, si je devais les perdre, ça me poserait vraiment un très très gros problème. Donc histoire de rendre cette petite page là un peu plus mignonne, j'ai juste fait un cœur avec un Tombow vert très très clair en aplat derrière, de façon à voilà, donner une petite touche de couleur, mais en même temps ça reste très simple. Et j'ai joué aussi sur la largeur de la pointe des mines, donc certains textes étaient écrits en 0.1 et d'autres en 0.05, comme ça ça fait une petite variation également. Ensuite, pour utiliser cette première vraie page, donc c'est la première page du carnet qui est réellement pointillée, hein. L'autre c'était vraiment une page de garde, donc il n'y a aucun marquage. J'aime bien me porter bonheur, entre guillemets, hein. C'est mon côté un peu superstitieux, avec une mise en page qui attire la bonne fortune, vraiment c'est juste dans ma tête, hein, mais pourquoi pas. J'ai décidé de faire deux petites flûtes de champagne qui trinquent, voilà, avec une petite phrase, le meilleur est à venir. Bon, c'était pas évident à faire, hein, parce que ça, ce sont des objets qui ont besoin d'avoir un petit peu quand même de symétrie pour avoir l'air relativement juste, on va dire, sans avoir l'air réaliste pour autant, mais juste, c'est tout. Là, ce sont les références des différents Tombow que j'ai pu utiliser à l'intérieur des flûtes, hein, que je vous montre à l'écran, je vous laisse faire pause en cas de besoin. Et ensuite, pour rajouter de la couleur et rajouter aussi de la présence à cette page, je viens mettre plein de petits éléments avec des variations de jaune, histoire de venir gagner en volume et aussi en luminosité. Voilà, quelque chose qui soit un peu plus joyeux, parce que forcément le champagne, j'allais pas le faire jaune jaune jaune. Il y a quand même une teinte que j'ai essayé de reproduire un peu champagne, et mais voilà, c'était de base pas quelque chose de forcément très très coloré, donc j'ai voulu rajouter un petit peu de joie en fait, tout simplement. Ensuite, une petite phrase, donc le meilleur est à venir, je l'ai fait avec le Fudenosuke qui est parfait pour les débutants, donc c'est-à-dire la pointe dure, parce que je voulais avoir le maximum de maîtrise au niveau de cette phrase-là, qui n'était pas très très longue, mais qui était relativement petite, et du coup plus c'est petit, plus c'est difficile de maîtriser en fait le mouvement. Ensuite, je viens rajouter du détail, parce que c'est ça qui donne encore plus de beauté à la page, je trouve. Vous allez voir très bientôt un avant les petites bulles, qui m'ont pris beaucoup de temps, hein. Voilà, avant les petites bulles et après les petites bulles. Et effectivement, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça fait une différence énorme et que le temps que j'ai pu y passer valait la peine. Parce que, évidemment, j'ai visiblement aucun instinct de survie pour mon poignet qui a subi une entorse il y a quelques mois et qui ne s'est toujours pas remis, j'ai décidé de faire encore plus de détails sur la page, hein, parce que vraiment, en fait, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, et je n'ai aucun regret. Donc voilà pour cette première couverture de ce carnet, que je trouve, ma foi, très réussi, qui m'a pas pris tant de temps que ça, surtout par rapport à celle du mois de mai que vous allez voir un petit peu plus tard. Mais d'abord, j'ai décidé de préparer non pas une année entière, puisque de toute façon on est déjà au cours du mois de mai, mais juste 4 mois, parce que en vrai je remplis quand même assez vite mes carnets. Heureusement j'en ai plusieurs, parce que sinon ça irait beaucoup trop vite. J'ai décidé de faire mai, juin, juillet et août. Ça me permettra aussi éventuellement de faire mon switch juste avant la rentrée. Si je dois switcher de carnet encore cette année, à mon avis ça sera à cette période-là. Parce que psychologiquement, voilà, ça tombe pile poil au niveau de la rentrée scolaire, et voilà, c'est mon petit côté Hermione, j'aime la rentrée scolaire, toujours, hein, même à 30 ans passés, c'est toujours quelque chose qui me plaît, et j'ai toujours le sentiment que c'est une période de renouveau et l'occasion de redémarrer du bon pied. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me sentirais peut-être un petit peu moins seule de ce côté-là.
Donc pour ces quatre sections, j'ai décidé de faire à nouveau, hein, comme pour le tout début du carnet, des aplats de couleurs. Ça permet de définir des zones précises, une pour chacun de ces mois. En dessous de chaque sticker du mois, qui me font gagner beaucoup de temps aussi, j'ai pu marquer des dates importantes. Et à droite, là, comme vous me voyez en train de le faire, je vais pouvoir venir noter quelques objectifs pour le mois en question. Et voilà pour cette première double page d'organisation. Si j'ai choisi ces couleurs aussi, c'est pour essayer de garder une unité un petit peu, hein, sur ce début du carnet. Évidemment, je ne pouvais pas passer directement à mon mois de mai sans intégrer au moins une page de plus. En vrai, je garde celle de droite libre. Depuis, elle a été remplie, mais c'est avec des informations très personnelles, donc du coup, j'ai pas voulu les filmer pour le coup. Sur la page de gauche, j'ai fait mon Grid Spacing Guide, donc le guide d'espacement, en fait, hein, qui permet d'avoir une idée de combien de cases j'ai besoin. Donc, toujours, finalement, 8 par 12, puisque je change pas de carnet, mais ça me permet de vous montrer aussi comment créer le vôtre dans vos carnets. Je vais vous remontrer ces pages introductives, histoire que on puisse faire un premier récap, et ensuite on va passer à la mise en page du mois de mai, qui pour le coup m'a vraiment détruit mon poignet. Donc je voulais dire rapidement, j'ai eu une entorse il y a quelques mois, j'avais pas conscience que c'était ça parce que c'était la première fois de ma vie, et j'ai encore des douleurs au poignet, donc c'est la première fois aussi que j'ai tourné une vidéo en plusieurs parties, en plusieurs fois, parce que j'avais besoin de reposer vraiment mon poignet. Et j'ai pas choisi la facilité, hein, puisque comme vous voyez, mon brouillon n'a jamais été aussi fourni et complexe que pour cette couverture. Vraiment, littéralement, c'est la couverture la plus longue de tous mes bougeaux. J'ai pas décidé de faire simple, hein, mais je voulais quelque chose d'explosif, on va dire. Vraiment très très joyeux pour symboliser vraiment le retour du printemps en beauté, dans toute sa gloire. Vous avez voté sur Instagram pour une thématique papillon en priorité. Moi, j'avais bien envie d'introduire aussi un petit peu de muguet à l'intérieur au passage, et ça tombe bien puisque ça va plutôt bien ensemble. Donc j'ai décidé de faire papillon et muguet sur cette couverture, et ensuite vous verrez qu'on est surtout sur du papillon. Alors les papillons, vraiment c'est magnifique, franchement, on va pas se mentir, enfin moi j'ai beaucoup aimé dessiner les petits papillons. C'est assez drôle à faire, le seul point qu'il faut retenir c'est de garder une symétrie, donc ce que vous faites sur un côté vous devez impérativement le faire sur l'autre. C'est là que les petits points aussi sont quand même assez pratiques, la grille, hein, de petits points en fond, ça vous permet d'avoir une structure pour essayer d'avoir plus de facilité sur la symétrie. Autre option, vous pouvez aussi partir sur un principe de calque, comme ça vous en faites un de bien, ou même vous le décalquez quelque part et ensuite vous pouvez l'utiliser un peu partout. Troisième option, vous partez sur les stickers qu'on vous propose sur la boutique, qui ont été dessinés par Casey, donc Akenora. Elle a déjà fait trois designs différents, donc un principal avec six grands designs différents de papillons, et ensuite deux autres où vous retrouvez ces six designs-là, mais multipliés en fait et en plus petit. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Pour l'instant, ils sont que en noir sur blanc et en noir sur craft, mais ils arriveront aussi en couleur. L'avantage par contre, c'est que comme on est sur papier recyclé, si vous les prenez en noir sur blanc ou en noir sur craft d'ailleurs, vous pouvez les en couleur, donc vous pouvez les personnaliser avec les couleurs de votre choix. Voilà pour ma page de couverture. Hardcore, là j'en pouvais plus, hein. C'était déjà une pause. Je revenais filmer plusieurs heures plus tard, histoire de reposer un petit peu mon poignet. J'adore le rendu, donc j'ai fait en sorte que le dessin surgisse derrière mes, pour essayer de donner un petit peu de volume, avec seulement un papillon qui recoupe, enfin un bon morceau là sur le i, et puis un tout petit morceau en dessous du m, pareil pour donner le sentiment qu'on a une profondeur en fait à l'intérieur de la page, ce qui n'est évidemment pas le cas. Après cette petite pause, je suis revenue du coup pour dessiner cette fois les feuilles du muguet, histoire pareil de densifier, hein, toujours le dessin, mais en facilité. Là pour le coup, beaucoup plus rapide, hein, beaucoup moins de détails, même si vous voyez, je peux pas m'empêcher d'en rajouter à l'intérieur des pointes des feuilles pour toujours donner, hein, du relief et du volume. Mais ça me permettra aussi à la mise en couleur d'avoir une raison, entre guillemets, d'appliquer une couleur en fond, et donc de faire surgir encore un peu plus mais au milieu de cette illustration. C'est une mise en page qui m'a pris énormément de temps. Vraiment, quand je dis énormément de temps, je pense que rien que le brouillon m'a pris une heure, peut-être même plus.
peut-être une heure et demie, et puis alors le dessin en lui-même en noir, pareil, au moins une heure ou une heure et demie de plus, et la mise en couleur, pareil, au moins une heure de plus, donc j'ai dû passer rien que sur la couverture 3 heures. Voilà, sans problème, parce que comme vous pouvez le constater, même dans les papillons, hein, je rajoute des détails. Donc j'ai fait des petits points, je m'amuse à colorier entre pour donner un peu plus de contraste. C'est sympa, je trouve, de rajouter du noir, du blanc, ça a un petit côté de dentelle aussi. Et évidemment, ce sont des couleurs qui sont complètement excentriques, je me suis pas basée sur des vrais papillons. Je voulais quelque chose qui pète, qui claque, qui envoie un petit peu de la vitamine. Et donc voilà, c'est ce que j'ai choisi. Du bleu un petit peu turquoise et puis du rouge orangé, histoire que ça se complète, hein, ce sont des couleurs complémentaires et donc ça contraste encore mieux, et par contraste elles ont l'air encore plus vives. Voilà, ça c'est une petite astuce, hein, si vous voulez quelque chose qui claque un peu plus, vous prenez des couleurs complémentaires. Donc je passe beaucoup beaucoup de temps sur les détails, hein, que ce soit rajouter du noir, ensuite remettre des petits points blancs, histoire de toujours avoir cet effet un petit peu dentelle. Ça prend beaucoup de temps, mais moi j'aime le résultat. Voilà, si vous voulez pas passer autant de temps là-dessus, évidemment, je vous invite à vous tourner vers les planches de stickers, hein, parce que ça vous fera gagner un temps très précieux. Quand je vous dis que ça m'a pris beaucoup de temps, c'est aussi parce que cette symétrie au niveau des papillons, il faut quand même venir la récupérer grâce à une structure. Alors pour dessiner un papillon de face, vous faites un carré ou un rectangle, vous le divisez en plusieurs sections, donc horizontale, verticale, et ensuite vous faites des diagonales. Ça vous permettra d'avoir une grille un peu plus simple pour vous projeter et justement maintenir la symétrie. Vous commencez par le corps au centre, un triangle pour la tête, un ovale pour le corps, et puis un deuxième un peu plus étiré pour la dernière partie, la dernière section. Vous rajoutez les antennes, elles doivent être longues. Vous allez voir que ça va vous sembler étrange, hein, tellement elles sont longues, mais il ne faut pas hésiter à les faire vraiment très très longues. Sinon, ça se voit et ça fait court pour le coup. Je ne sais pas comment vous dire, vous verrez à la bonne longueur, vous pourrez vous arrêter. Et ensuite, pour chaque morceau d'aile que vous rajoutez, vous devez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, basez-vous bien sur le quadrillage que vous aurez créé. Et voilà pour la mise en couleur. Quand je vous ai dit que je voulais que ça claque et que ça pète et que ça envoie du lourd, je rigolais pas. J'ai vraiment fait quelque chose qui est explosif et j'en suis très contente. Je rajoute encore plus de petits détails et de petites couleurs parce qu'il n'y en a jamais assez, hein, de mon côté. Moi j'aime quand c'est pétillant, voilà. Surtout pour la couverture, évidemment j'ai pas passé autant de temps sur le reste. Vous allez voir que globalement ma mise en page est beaucoup plus simple que d'habitude, hein, sur le reste du mois, parce que je voulais quelque chose qui soit efficace, revenir un petit peu au basique. J'ai rajouté évidemment quelques éléments graphiques, mais par rapport à d'autres mises en page où je peux en mettre des tonnes, comme sur cette couverture, là le reste du mois est relativement soft. Donc voilà pour la couverture, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi, moi j'en suis très contente. Prochaine double page d'organisation, organisation mensuelle. Alors un petit calendrier sur la page de gauche, très très simple, hein, juste toutes mes structures, je vais les faire en couleur histoire de redonner cette petite touche de couleur supplémentaire, puisque cette page là va rester extrêmement simple, il n'y aura pas de dessin dessus, voilà. À moins que je vienne par la suite coller des stickers, mais là pour l'instant je ne vais pas dessiner, je me contente de la structure et de l'espace nécessaire pour noter mes objectifs. Sur la page de droite par contre, je vais venir rééquilibrer un peu tout ça et rajouter un petit peu de couleur en mettant une zone de to-do list qui elle va être décorée avec des éléments graphiques de type papillon et branches de muguet, brin de muguet plutôt d'ailleurs, pas branche, sinon il serait un peu trop volumineux. Donc pour les papillons, comme vous pouvez le constater, hein, je vous avais parlé de faire des carrés ou des rectangles sur la page précédente, là vous les voyez encore au crayon de papier, les petites zones que j'avais créé histoire de me donner une structure, notamment sur les papillons qui sont penchés, hein, parce que c'est plus compliqué forcément. Je peux pas me baser sur les pointillés, vu que les pointillés ne se penchent pas en même temps que le papillon. Ça serait très pratique, mais ça ne marche pas comme ça. Là, j'ai fait tous mes petits papillons avec certains qui vont par-dessus la zone de dessin, d'autres qui seront en dessous de la zone de dessin, toujours pour donner cette sensation d'avoir une profondeur, donc un premier plan, un second plan et un arrière-plan. Qui lui est vraiment la zone la plus lointaine, hein, celle où les muguets disparaissent en fait, en dessous de la zone d'écriture. Ensuite je vais venir remettre en couleur, je suis juste allée jeter un œil de temps en temps pour avoir une idée de comment est-ce que j'avais réparti mes couleurs et qu'elles étaient, de façon à ce que ça soit toujours homogène, hein. J'essaye de temps en temps de faire des allers-retours entre mes différentes pages pour qu'il y ait une cohérence entre les différentes tonalités que je peux mettre. Donc je viens rééquilibrer au fur et à mesure, rajouter un peu plus de rouge orangé, un peu plus de jaune, etc., etc., jusqu'à la version finale avec les petits détails, donc des pointillés blancs supplémentaires. Et voilà pour cette mise en page mensuelle. On passe à la première semaine du mois de mai. Je vous ai dit que je revenais au basique, hein. J'essaie de me faire des grandes zones
de to-do list quotidienne, voilà. Donc comme d'habitude par contre, hein, je commence toujours par la structure. À la base j'avais tout fait droit, tout aligné, et puis au fur et à mesure que je rajoutais les papillons, je me suis dit que c'était un petit peu dommage quand même qu'ils soient masqués par les cases, donc j'ai déplacé les cases d'autant de crans que nécessaire, et finalement j'aime bien, ça donne le sentiment que les cases elles flottent, je trouve, dans la double page, sachant qu'elles ont toutes exactement la même dimension en réalité, donc j'ai vraiment le même espacement pour toutes les cases. Je viens faire mes papillons, comme d'habitude, avec beaucoup de temps de passer dessus. Clairement, la prochaine double page que je ferai, moi je passerai par la case sticker, voilà, vous ferez comme vous voulez, mais là j'ai suffisamment dessiné de papillons pour l'instant, hein, voilà. Je vais pas vous cacher que j'avais prévu aussi de faire une double page supplémentaire, je voulais faire une double page de pensée intelligente derrière, mais arrivé à la fin de celle-ci, j'avais tellement mal au poignet que ce n'était plus envisageable. Vous allez vite comprendre, hein, parce que bon, là déjà en noir et blanc, ça m'a pris un peu de temps, mais vous allez voir après la version en couleur, qui me prend aussi beaucoup de temps. Vous allez le voir en musique. Quand je vous disais que j'ai passé beaucoup de temps sur cette mise en page, je ne rigolais pas. J'adore le résultat par contre. Franchement, je trouve frais, léger, coloré, joyeux. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Ça, c'était l'idée que j'avais au niveau de la structure pour la double page de pensée intelligente, donc des papillons en haut et en bas, avec voilà, différents axes, différentes tailles. Et puis autrement, la double page vide pour me laisser le maximum d'espace pour pouvoir venir mettre tout ce qui était idée. Mais là, comme vous le voyez, je vous fais signe que niveau poignet, c'est plus possible. Donc voilà la version du mois de mai. Très très simple, mais colorée, fraîche, joyeuse. C'était ce que j'avais comme objectif et du coup je suis très contente de cette mise en page. J'espère qu'elle vous plaît également et que vous avez pu choper quelques petites astuces, notamment voilà, comment rajouter de la couleur simplement avec les structures. Ça vous permet d'économiser un petit peu de temps et d'avoir quand même quelque chose de très joli. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si jamais ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal.